Un simple clic pour éviter un grand choc. Avec ce système de coussin d'air intégré sur les jambes, l'airbag de ce surpantalon fait son effet. C'est à la suite d'un accident de moto en 2016 qui lui a valu 17 fractures que Xavier a l'idée de créer ce concept de protection. Nous avons un déclencheur percuteur que nous avons fait produire et qui est dédié à ce surpantalon, une cartouche d'air. Ce système, relié par un câble et fixé sur la moto, active l'airbag dès la moindre chute. Les chiffres sont sans appel. 63% des blessures surviennent dans le bas du corps. Si la plupart du temps elles ne sont pas mortelles, ces blessures n'en demeurent pas moins sans conséquences. Aujourd'hui, l'idée de ce surpantalon airbag a déjà trouvé preneur pour certaines activités professionnelles et de loisirs. On a bien évidemment la gendarmerie, la police, donc différents corps de métiers professionnels, puisque c'est important d'être équipé et d'être protégé. On s'intéresse ensuite à l'équitation, parce qu'effectivement, en cas d'accident, il est important que quelqu'un qui pratique ce sport soit protégé au niveau des membres inférieurs. Par la suite, quand on aura le modèle électronique, on passera au ski. La France recense près de 4 millions de motards. Xavier espère que le lancement d'une campagne participative permette à sa start-up d'atteindre une vitesse de croisière. On a un objectif de 6000 unités sur l'année, qui va être croissant bien évidemment. On s'intéresse en premier lieu, même si on commence à avoir des commandes à l'étranger, sur la France, puisqu'on veut maîtriser notre croissance, on veut maîtriser notre structure, maîtriser la production également et faire un produit de haute qualité. Disponible en trois tailles, les 250 premiers exemplaires sont proposés à 375 euros. La moto est un plaisir dont la protection n'a pas de prix.